plat que réalisent les Perpignanais dans le sillage, notamment de ce nouvel entrant, Mamé Alemalou. Très puissant, très tonique, et ça continue auprès. On cherche à concentrer, recentrer cette défense de Nevers. Un avantage en course, c'est aussi peut-être ce que cherchait Degmash pour solliciter ses trois quarts. Degmash qui est pris au moment de faire sa passe, qui est donc mise au sol, et ce ballon qui va avoir du mal à voir le jour si. Car Château qui a levé la tête. Matteo Rodor, la passe un petit peu haute, avec peut-être Melvin Djaminé. Attention, Melvin Djaminé, il est désappuyé. Melvin Djaminé, oh, qui a pu servir son ailier pour l'essai de Perpignan. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Melvin Djaminé pour cet essai de Jean-Bernard Pujol. Ils ont trouvé la faille, les Perpignanais. Eh oui, les passes au rebond, comme quoi, sont les meilleurs. On va écouter monsieur l'arbitre. Est-ce qu'il demande un arbitrage vidéo? Vidéo. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une obstruction? Ouais, là, ici, là. Il semble qu'il lâche le ballon. Philippe, tu entends? Jaminé, on avait lâché le ballon en juste en vérifier. Pujol, pardon. Sur la feinte ou sur le moment où il a aplati sur la fin? Au moment où il a aplati. Au moment où il a aplati, savoir s'il y a bien la maîtrise. C'est Jean-Bernard Pujol qui a fait semblant d'aplatir pour aller marquer un peu plus près du centre du terrain, des poteaux, et qui apparemment aurait laissé échapper le ballon. Nous n'avons pas vu en direct. Là, il fait semblant d'aplatir. Là, il n'aplatit pas. Là, il n'aplatit pas. Là, il essaye d'aller chercher plus près. Oh, c'est parfait. Pas de soucis. Magnifique essai. Et vous l'avez dit. Pas